Bonjour, nous sommes ici au Putting Green du Saint-Malo Golf Resort et je suis sur le point de vous montrer un de mes exercices favoris, celui de la ficelle, de l'élastique, qui permettra de voir à la fois lecture de green, direction et dosage. C'est complet. Ok, voilà, j'ai fait ma lecture de green, car c'est immensément important. C'est la partie cachée de l'iceberg, la lecture, la perception des greens. Pas moyen d'être performant si on n'est pas capable de bien deviner les pentes. Alors, et de prendre le soin de s'appliquer à le faire d'ailleurs. Donc là, j'ai déterminé qu'il y avait l'équivalent d'un trou et demi sur la droite. J'ai vu un petit peu de droite-gauche. Donc j'ai placé la ficelle de façon à ce qu'elle m'indique. C'est une aide à la visée, bien évidemment. La direction initiale, elle est placée systématiquement sous la ficelle. J'ai fait un petit trou avec le tee, comme ça c'est pratique à chaque fois je la place. Je sais qu'elle est parfaitement sous la ficelle. Je le dis au passage, la partie intéressante de cet entraînement avec cette ficelle, c'est de se dire tout ce que je demande, c'est de la glisser sous la ficelle. Pas de contraintes techniques, pas de surcontrôle. Alors évidemment, il reste un élément important, le fameux dosage à trouver. Donc pour ces 5 mètres qui me restent, je vois droite-gauche à peu près ce dosage. Alors, c'est intéressant parce que ça me donne plein de feedback. Si je tape trop fort, par exemple, si c'est une cause du dosage, on voit qu'elle est partie sous la ficelle, mais qu'elle est trop forte, virgule, elle dépasse d'un mètre et demi, ça ne va pas. Ça pourrait m'indiquer aussi que malheureusement, mécaniquement, j'ai pu par exemple ouvrir la face et c'est de ma faute, ça part pas, je suis renseigné sur les progrès que j'ai à faire au point de vue consistance de direction. Et avec un peu de concentration pour lier les deux, voilà, j'ai la visée, j'ai la visualisation, je tente le bon dosage, ça me paraît bien, ça part bien sous la ficelle, allez, yes! Voilà, vous avez vu, cet instrument, ouais, cette aide pédagogique, vraiment nous renseigne sur trois aspects super, la lecture, la capacité à diriger, donner la bonne direction et le dosage. En résumé, l'exercice ô combien complet de la ficelle permet de vérifier sa capacité de lecture de green, sa capacité de dosage et sa capacité de putter la balle sur la ligne souhaitée.